Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir comment, enfin, à quoi servent vraiment les parcs. Donc les parcs d'une ville, à quoi servent ces parcs-là, et pourquoi en faire. Alors, ce que vous savez, on en a un grand nombre de parcs. Il y a beaucoup de modes sur le workshop à débloquer niveau parc. Genre par exemple, là on voit pas l'image, mais j'ai débloqué donc là c'est des parkings. Et là, c'est une sorte de plage. Donc, si vous avez des plages sur vos maps, vous pouvez télécharger des bots comme ça, là, qui vous donnent l'opportunité de faire des plages et tout ça. Et là, pareil, j'ai téléchargé dans un autre tuto. Donc, un terrain de foot. Donc, à quoi sert les parcs? En fait, les parcs, alors, ça rajoute du loisir à votre population. Vous pouvez le voir dans l'onglet. Donc, où est l'onglet loisir? Je vais le retrouver. Divertissement. Voilà. Divertissement. Et donc, vous voyez les divertissements. Donc, tout ce qui est bleu, c'est qu'il y a du divertissement. Et tout ce qui est un peu moins bleu, c'est que là, il y a un peu moins de divertissement. Donc, on va en faire un petit peu. Donc, à quoi ça sert les parcs? Ça augmente un peu aussi votre valeur foncière de votre terrain. Ça veut dire que le mètre carré de votre terrain va valoir un petit peu plus cher à chaque fois que vous faites un parc. Vous voyez, là, j'en ai fait énormément. Et là, regardez, mais tout le nombre de parcs que j'ai fait, c'est énorme. J'ai fait énormément de parcs. Tout ce qui est violet, en fait. Tout ce qui est violet, là, c'est qu'il y a un parc. On regarde la valeur foncière. Et vous voyez, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt bien cotée, la valeur foncière, là. Hein. Et là pas trop. Donc on va mettre des parcs. On va aller voir ça tout de suite. Genre, ah bah tiens, pourquoi pas un petit terrain de foot, tiens. On va mettre un petit terrain de foot ici. Un château gonflable ici. Et voilà, vous voyez là, c'était tiède là. C'était tiède et voilà, c'est redevenu bleu. Hop hop hop, on va mettre un autre là. On va se mettre un parc comme ça ici, je vous montre hein. Faut pas hésiter à en spammer hein. Vraiment pas hésiter à en spammer. Et vous allez voir ça tout de suite. Et on va mettre un truc qui... Voilà, ici comme ça. Donc voilà. Donc là, les loisirs, ils ont vraiment bien augmenté. Loisirs, c'était ici. Non, les loisirs, ils ont vraiment bien augmenté. Et voilà, nous voyons des échafaudages. C'est-à-dire que ça a amélioré donc le divertissement et ça a même amélioré le bâtiment. Voilà, première cause de l'évolution. Voilà. Donc il y a eu des petites flèches vertes qui pop vers le haut. C'est-à-dire que la valeur foncière, on a dû l'augmenter, les divertissements, on a dû augmenter. Dans le quartier, ils sont beaucoup plus contents d'avoir des parcs comme celui-là. Donc vous voyez le joli stade de foot, la terrain de foot qu'on a fait. Mignon comme tout. C'est un mode, hein. C'est un mode. N'hésitez pas à télécharger ce mode, il est vraiment intéressant. Et voilà. Donc on va regarder un peu la valeur foncière. On a dû l'augmenter un petit peu. Voilà, pas grandement. Faut vraiment pas hésiter à spam les parcs pour mon côté la valeur foncière ou faire tout simplement le projet Eden qui augmente la valeur foncière de votre terrain. C'est un monument. Bon, après, faut pouvoir débloquer le monument, mais c'est possible quand vous avez des grandes villes. Voilà à quoi servent les parcs, les divertissements et tout ça. Donc, augmenter votre valeur foncière et créer du divertissement dans votre ville et les rendre plus heureux, tout simplement. Et les rendre plus heureux. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec ce tuto. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur le Twitch. Allez, ciao, ciao! Merci d'avoir suivi les tutoriels de City Skyline. Et pour vous abonner, n'hésitez pas à cliquer ici. Et pour vous commenter ces tutoriels, si vous avez des questions, si vous avez aimé, ou si vous, tout simplement, vous kiffez cette chaîne YouTube, commentez ici aussi. Merci à vous, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.